1948, la crise de Berlin constitue le premier affrontement direct entre les Soviétiques et les Américains. Y aura-t-il un troisième conflit mondial? Churchill le craint, De Gaulle le pense, mais ni Staline ni Truman ne le souhaitent, qui veulent consolider leur zone d'influence, notamment en Corée. Pourtant, des conflits armés opposent déjà communistes et non-communistes en Chine, en Grèce. Et puis en Indochine et en Indonésie, est-ce seulement la lutte nationale qui anime les insurgés? Bref, en 1948, le communisme ne gagne-t-il pas l'ensemble de la planète? Établir le bilan des progrès du communisme en 1948, nous verrons successivement des actualités soviétiques, puis un extrait de March of Time, document américain, enfin les actualités allemandes, zone soviétique. Pour ce faire, nous sommes avec Claude Lefort. Claude Lefort qui, en 1948-49, avec Chaulieu, c'est-à-dire Castoriadis, a fondé la revue Socialisme Barbarie, c'est-à-dire la première publication qui a su déceler l'état du régime soviétique et qui, en quelque sorte, a été le pionnier de ses analyses sur le totalitarisme, comme on dit maintenant. On lui doit d'autres livres sur le fonctionnement de la démocratie, dont il a bien montré qu'elle était pervertie en URSS, et il faut lui rendre hommage d'avoir été le premier à le faire si clairement. Claude Lefort, ma première question est forcément celle-ci, en 48, à un moment où les masses, entre guillemets, comme on disait, ont les yeux tournés vers l'Est, où les succès soviétiques de la guerre sont extraordinaires, où il semble que la marche de l'histoire soit irréversible, vous avez su dire, nous dire, ça n'est pas comme ça, là-bas, comme vous le croyez, il se passe autre chose. Qu'est-ce qui vous a alerté? À vrai dire, je participais à un groupe d'extrême gauche sorti du petit parti trotskiste et nous n'avions pas tellement besoin d'événements nouveaux pour être alertés. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaissait de l'URSS dans les années 30, pour ne pas parler d'une époque antérieure, montrait à quel point on avait affaire à un régime, disons, guidé par l'idéal ou le fantasme d'une domination entière de la société, et ce régime nous paraissait non seulement étranger à ce que, disons, Marx avait pu viser à travers ses œuvres, qui nous étaient familières, mais en plus, à l'époque, nous trouvions même dans Marx des instruments pour en faire la critique. Donc, au lendemain de la guerre, l'expansion soviétique apparaissait s'inscrire pour nous dans une logique de domination. Et vous parlez aimablement de ma lucidité ou de notre lucidité, puisque nous étions un petit groupe, et notamment Castoriadis a joué un grand rôle, mais moi je continue de m'étonner encore aujourd'hui de ce qu'était, disons, l'aveuglement. Je ne parle pas tant des masses, puisque les communistes, il faut bien le dire, allaient dans le sens de revendications qui étaient des revendications populaires et ouvrières en France, mais en revanche, je continue d'être surpris de l'aveuglement des intellectuels ou de couches moyennes qui imaginaient, au fond,
par haine de l'impérialisme américain, responsable de tous les maux, qui imaginait une Union soviétique pacifique et où tout au moins préoccupé avant tout de sa sécurité, alors que, disons, sa stratégie offensive était manifeste. Eh bien, si vous voulez, on va voir ces problèmes de plus près, à la fois l'offensive soviétique dans le monde, qui n'apparaîtra pas naturellement dans les actualités soviétiques, mais aussi le régime intérieur, le régime du pays, dont vous nous direz quelques traits à propos de ces actualités, et pas à pas, on va reprendre, si vous voulez bien, votre démarche. Столица нашей Родины, орденоносная Москва, с победным рапортом вышла сегодня на Красную площадь. В 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции больше тысячи предприятий досрочно завершили годовую программу. Сверхплановые накопления уже превысили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Вместе с Москвой вся страна отмечает победами этот день. Ленинград, колыбель Октябрьской революции. В торжественном марше по исторической Дворцовой площади проходили войска гарнизона. Курсанты военно-морских училищ, будущие офицеры могучего флота советской державы. Демонстрацию возглавили передовые районы. Шли строители кораблей и мощных турбин, генераторов и станков, автоматов и точнейших приборов, текстильщики, химики, обувщики, славные инициаторы движения за выполнение пятилетки в 4 года. В подвигах ленинградцев живут революционные традиции города-героя, города Ленина. Клод Лефор, on nous montre donc l'anniversaire de la Révolution, on nous montre Moscou, on nous montre ça à Leningrad. Mais qu'est-ce qu'on ne nous montre pas à Leningrad ? Il y avait en somme une lutte de clans, comme il y en aura toujours d'ailleurs, et l'arrivée de Malenkov au poste de direction, avec Beria d'ailleurs, Khrouchtchev qui est un proche, se traduit par l'éviction du clan de Leningrad et par, de façon plus précise, comme le signale Nicolas Wirth dans son livre sur l'histoire de l'Union soviétique, par l'exécution de plusieurs centaines de cadres à Leningrad. Comme on voit, il y a un joli défilé militaire, mais dans les coulisses, on ne s'épargne pas entre bureaucrates. On va voir la suite. Kiev. Столица Советской Украины, 31-я годовщина Великого Октября, совпала с пятилетием освобождения города от фашистских захватчиков. Более 350 тысяч киевлян вышли на Крещатик, традиционное место парадов и демонстраций. Они встретили всенародный праздник новыми трудовыми успехами. Мимо трибун шли люди, чей вдохновенный труд возродил прекрасный город. Тбилиси.
Парадом счастливой молодости началось праздничное шествие в столице солнечной Грузии. Тысячи школьников, юношей и девушек заполнили проспект Шатар-Руставели и площадь имени Берия. Золотые плоды колхозного труда принес сегодня народ на свой великий праздник. Claude Lefort, on nous montre les succès de la production agricole en Union soviétique. Et qu'est-ce qu'on ne nous montre pas ? Ben, on ne nous montre pas qu'en fait, l'agriculture ne marche pas du tout. On ne nous montre pas que 48 est précisément cette année où on en revient à des mesures qui sont du même esprit que celles qui avaient été prises au début des années 30, c'est-à-dire qu'il y a une véritable offensive contre les kolkhoziens à qui on, enfin, qu'on oblige à vendre, qu'on oblige de vendre à l'État le petit bétail dont la propriété leur avait été laissée. C'est dire à quel point l'image de ces femmes portant des paniers de fruits est un symbole trompeur de la très dure condition des paysans, enfin des kolkhoziens en URSS à cette époque. Oui, d'ailleurs, on va plus tard rétablir le droit pour les kolkhoziens de cultiver un petit peu ce qu'ils veulent sur leur petit lot. Et donc ils abandonneront complètement le kolkhoz, au point que dans les années 70-80, alors que ces petits lots correspondent à 1% peut-être du territoire de la terre agricole en URSS, ces petits lots produisent 45% ou 50%, ce qui prouve bien que le besoin d'une terre à soi est un besoin humain. Oui, et que l'agriculture a été vraiment le domaine dans lequel l'échec de l'idéologie du régime est le plus épatant. Ils n'ont jamais pu résoudre la crise, bien qu'à partir de Khrouchtchev, comme vous le savez mieux que moi, il y a eu réforme sur réforme de l'agriculture. On va voir la fin de ces activités soviétiques. В Севастопольской бухте традиционный морской парад. Командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский поздравляет экипажи кораблей с великим праздником. Родина гордится своими славными моряками-черноморцами, героями Одессы и Севастополя, стоящими на страже наших морских рубежей. Парад завершили морские катера. Это был день могучей демонстрации сплоченности советского народа вокруг партии Ленина-Сталина. И в каждом доме, как у старого мастера московского подшипникового завода Григория Григорьевича Алехина, собирались семьи за праздничным столом. Жена Григория Григорьевича – Ольга Осиповна. Сын – Петр, начальник цеха. Сын Алексей, слесарь завода, с женой и маленькой Танечкой. Дочь Григория Григорьевича Мария, молодой врач. Первый бокал старый мастер поднял за самого дорогого и близкого человека, за Иосифа Виссарионовича Сталина. Алексей предложил тост за мать. Счастливые советские люди. Радостно и уверенно они начинают 32-й год октября, год новых трудовых побед, год борьбы за мир и счастье народов. Париж. Шайо.
делегации 58 стран участвуют в работе третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В зале заседания. Делегация Советского Союза. Борясь за мир, советская делегация внесла предложение о сокращении вооруженных сил и вооружения, о запрещении атомного оружия. Товарищ Вышинский сказал... Как известно, Советский Союз настаивает на необходимости немедленно запретить использование атомной энергии в военных целях и установить строгий, эффективный международный контроль за выполнением этого запрещения. Без запрещения атомного оружия всякие разговоры о контроле над использованием атомной энергии были бы лишь средством обмана народов, рассчитанным на то, чтобы служить дымовой завесой, за которой скрывается от глаз народов гонка атомного вооружения. Советский Союз продолжает политику мира, устремляя все свои силы на решение внутренних задач и в первую очередь задач, связанных с восстановлением и дальнейшим развитием нарушенного войной народного хозяйства Советского Союза. Советский народ всецело поглощен мирным трудом, укреплением и дальнейшим развитием социалистического строительства в своей стране, непоколебимо стоя на страже мира и безопасности народа. Claude Lefort, tout à l'heure, quand vous avez, nous avez rappelé comment vous avez décelé la nature propre du régime soviétique, vous n'avez pas parlé des camps, mais peut-être que Vyshinsky va vous y amener. Ah ben effectivement, de voir Vyshinsky, c'est à tenir des propos lénifiants à l'ONU et recueillir tant d'applaudissements, c'est une chose qui ne peut vous empêcher de penser au rôle qu'il a joué au moment des grandes purges, au moment des procès de Moscou quand il était procureur. Et en me posant cette question, vous me donnez l'occasion de souligner que l'année 1948 voit un rebondissement de la terreur, et notamment la création de camps dits à régime spécial, où se trouvent envoyés, si je puis dire, le tout venant. Ces camps ne sont pas principalement peuplés de politiques, loin de là. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, exactement. Ils sont peuplés, pour une grande part, de gens qui ont été, disons, cueillis ici et là, sous, disons, le prétexte de crimes anti-soviétiques ou contre-révolutionnaires, parce qu'il y a eu, parce qu'ils ont quitté l'usine, ils ont été absents à l'usine, parce que dans la paysannerie, disons, ils n'ont pas satisfait aux normes, les peines se sont abattues avec une brutalité sur l'ensemble de la population. Et j'ajoute aussi cette information qui est tragique et burlesque, que souligne Solzhenitsyn, 1948, et cette année où on va ratisser un peu partout les anciens déportés qui ont purgé leur peine de 10 ans, les fameuses peines qui sont abattues sur eux en 1938, et où on va les remettre au camp comme tout simplement anciens condamnés. C'est ce que, avec un humour noir, Solzhenitsyn appelle l'affaire des récidivistes. Eh bien, écoutez, on va voir comment les Américains stigmatisent le régime soviétique, mais naturellement autrement que nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais avant de voir les Américains, je veux quand même vous poser une question concernant cet envoi dans les camps. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce qu'il s'agit de perpétuer une terreur et d'accroître le pouvoir des dirigeants ? Il s'agit d'utiliser ces gens-là pour leur faire de force des travaux qu'ils ne feraient pas dans les colcos ou ailleurs, d'assurer la production, si j'ose dire. Quelle est la fonction dominante de cette pratique ?
la fonction dominante, je ne me sens pas la capacité de l'affirmer. Mais ce qui est bien connu, et ce qui sera d'ailleurs amplement démontré par Kravchenko quand il aura fui aux États-Unis, puisqu'il a été directeur d'un combinat, c'est que ces déportés jouent un rôle très important dans la production industrielle. Bon. Mais d'un autre côté, je crois que cette interprétation ne suffit pas et que on ne peut pas donner ou ramener à des motifs rationnels cette terreur qui s'abat sur la population. Parce que, j'aurai peut-être l'occasion de le redire, le fantasme de l'ennemi de l'intérieur, est consubstantiel à ce régime. Je parlais tout à l'heure de tentative de domination entière de la vie sociale, mais ce concept est trop vague. En fait, il y a constamment non seulement une chasse aux ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire aux citoyens soviétiques, mais il y a une fabrication de l'ennemi. Ce régime ne tient que dans la mesure où constamment il donne l'image d'un complot qui est tramé contre lui, et ce sont des petites gens de toutes sortes qui deviennent les agents de ce complot. D'une épuration qui légitime tout. On va voir, si vous voulez bien, maintenant le point de vue américain, qui naturellement se situe sur un autre terrain, qui est celui de la grande histoire, et non pas de l'histoire de l'URSS vue du dedans. In many a U.S. home, conversations in recent years have been taking an abrupt turn to a topic of importance to all Americans. Well, that's Cologne. It got blitzed worse than Frankfurt. Mm-hmm. That's us in Berlin with some Russians. This one is Dmitry Andreev. He's a sergeant in charge of a detail. Russians. We should have cracked down on those bums at the end of the wall. I can't understand what this fuss with the Russians is all about. Ones I met were good guys. We worked together all right. Today, millions of Americans are preoccupied with the shift of events abroad in post-war years, which has turned many of them from admiration of Russia as a wartime ally to profound moral disapproval and fear of it as an ambitious and predatory rival power. Everywhere I have been in the world, in Europe, in Asia, one thing is clear. The Soviet Union has proved again and again that it cannot be trusted. While Russia continues her aggressive attitude toward free nations, world peace, your peace and mine, will hang very precariously in the balance. Though most Americans today clearly recognize the danger in the critical foreign situation, many find it hard to understand all the issues and points of conflict. But clear in the record of Russia's post-war years is the long and calculated series of moves which have made the Soviet Union the number one menace to the peace of the world. Russia's leaders, bent on one goal, world domination, are moving with single-minded purpose toward that goal. Implacably opposed to America's economic system, Russia faces the United States across a world which is shrinking fast. Swiftly and firmly, she has now expanded her sphere of influence to an area which covers half the earth. Her tactics range from infiltration to overthrow of the governments in power. But everywhere she penetrates, the result sought is exactly the same. In the Orient, Korea is a center of trouble. Northern Korea, which was placed under Russian rule at the end of the war, is administered by a communist government under strict Soviet control. Korean heavy industry, centered in the Soviet zone, is of special interest to the Russians, who give the Korean industrialists frequent advice on how to operate. Losing no opportunity to ingratiate themselves, the Russians are doing their best to win over the North Koreans. In
southern Korea, in the American zone, native communists, inspired by their brothers to the north, had succeeded in vastly complicating American plans for Korean self-rule. China, with its immense land area and population, is today one of the great danger points in the world's struggle against communism. Its nationalist armies, weakened by misgovernment and corruption through years of civil war, have been forced to surrender hundreds of thousands of square miles of territory to the Chinese Reds. Fleeing southward, out of the path of the advancing communist troops, China's new refugees epitomize the sorry economic and military plight of their nation. Throughout the colonial countries of Southeast Asia, communists are at the center of every movement to wipe out the hated symbols of European rule. The British in Burma and Malaya, like other Europeans in the area, are today faced with communist-inspired revolt, which has demanded the mustering of all their immediate strength. To suppress terrorist uprisings by communist guerrillas, the British garrison has been reinforced by troops from home. In the Middle East also, strategically one of the most important centers in the world, no opportunity to aggravate unrest is being neglected by the Reds. Fostering Arab separatist movements and intensifying internal strife, communists are working tirelessly to make the British position untenable. With an eye on the Middle East's rich stores of oil, Russia is today agitating against American influence as well, for she is sharply aware of both the British and the American stake in the area's immense oil reserves. In the eastern Mediterranean, Russia still maneuvers to gain control of the Dardanelles, while in nearby Greece, their puppets strengthen the rebel forces led by Greek communist Marcos Raffiadis in the bitter three-year-old civil war. Behind the Iron Curtain in Eastern Europe, Russia's authority is unchallenged in countries like once proud Poland, where the Soviet technique of conquest put a communist regime into power and then stamped out all opposition. Unhappy Czechoslovakia, forced to surrender its freedom for the second time in 10 years, is today completely under the subjugation of Soviet Russia. The communist government, headed by Premier Clement Gottwald, is merely a mouthpiece for Moscow. But in all Europe, there is no more crucial point of conflict than Germany. Jealously excluding entry into its sector, Russia rules eastern Germany as a police state. With all of Germany in armed camp, the Soviet blockade of Berlin, an attempt to cut off supplies for the city's western zones, came perilously close to starting another world war. But the British and American airlift running the blockade thwarted for a time the Kremlin's policy of belligerent bluffing. In Western Europe, Russia is boring from within. The French Communist Party, directed by Moscow-trained leaders, won an impressive following among the French people in the uncertain years after the end of the war. In the autumn of 1948, a crippling coal strike, led by communist-dominated miners, plunged France deeper into economic misery. This political strike cost France some 4 million tons of coal in 1 month. In the Security Council of the United Nations, grappling with the post-war problems of Europe and the world, representatives of the major nations have been attempting to arrive at agreement on issues vital to world peace. Will those in favor please raise their hands? But dissenting votes from the Russian bloc regularly obstruct most proposals. Another attempted solution ends in stalemate, and another meeting is concluded in a familiar way. With Russia continuing on its uncompromising course, many persons in freedom-loving countries, among them Winston Churchill, feel that the future of the world is in the hands of the United States. Nothing stands between Europe today and complete subjugation to communist tyranny but the atomic bomb in American possession. Of one thing I'm quite sure,
that if the United States were to consent, in reliance upon any paper agreement, to destroy the stocks of atomic bombs which they have accumulated, they would be guilty of murdering human freedom and of committing suicide themselves. I have not always been wrong. Some feel that the situation should be resolved at once. Oh, something ought to be done about it. Well, sure something has to be done. What? I don't know. My cousin Harry was saying last night he thinks the only thing to do is drop a big bunch of atom bombs over Russia fast. Well, maybe that's the only thing they'd understand. But though no responsible American advocates attack on Russia, today America, by a massive rearmament program based on a speedy reconstruction of its once mighty Air Force and by a new peacetime conscription program, has already demonstrated that in a world of continuing Soviet provocation, the nation's defense will no longer be neglected. Claude Lefort, ce March of Time mérite quelques commentaires. D'abord, on note que les Américains accordent autant d'importance à l'expansion du communisme en Asie qu'en Europe. Ensuite, qu'ils voient du communisme partout, même chez les Arabes. Enfin, qu'ils oublient les divisions qu'il y a au sein du monde communiste, par exemple entre Tito et Staline. Bref, qui donnent une vision assez schématique, comme si Staline était le deus ex machina de l'histoire, alors qu'on sait, et vous allez nous l'expliquer, que entre Staline d'une part, les partis communistes qui ont quelquefois une certaine autonomie et la société qui peut pousser à l'action, il y a des divergences. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Un mot seulement au passage. Oui. Les Américains mettent l'accent sur l'Asie. Ils n'ont pas tort. Pas tort. Hein ? Puisque au moins ils ont compris quelque chose de ce qui se passe, puisque la Corée c'est 1950, puisque la Chine ça se termine enfin je veux dire le régime se met en place en 49, donc là il y a plutôt une lucidité. Absolument. Bon. Alors évidemment ils sont obnubilés par leur anticommunisme, ils le découvrent chez les Arabes, bon. Ça c'est leur auto-intoxication. Pour ce qui est de Tito, et c'est très intéressant, en effet, qu'il ne parle pas du titisme, c'est parce que les Américains n'y comprennent rien, puisqu'ils ont voulu faire de l'Union soviétique une entité du communisme tel qu'il se représente, une grande machine dont le moteur est au Kremlin, et qui, disons, commande tout. Et alors le titisme, ça je crois que tous les observateurs, les historiens l'ont bien vu ensuite, le titisme pour eux c'est inexplicable, sur le moins ils n'y croient pas. C'est une manœuvre. Alors pour ce qui est de la question, elle est certes très importante cette question, parce qu'en effet il y a une simplification qui fait que Staline serait dans son bureau celui qui tire toutes les ficelles, qui, disons, a son jeu d'échecs et qui se sert comme de pion des partis communistes. Ça ne se passe pas comme ça, sûrement pas comme ça, même en URSS. Puisqu'on évoquait, disons, le conflit Malenkov-Jdanov, en réalité, on sait mal dans quelle mesure Staline a composé, plutôt que décidé, composé avec certaines forces, plutôt que décidé arbitrairement d'en haut, etc. Alors, pour ce qui est, en effet, de la nécessité de comprendre qu'il y a un écart entre la pratique des partis communistes locaux et les décisions du Kremlin, je crois que vous avez tout à fait raison de le souligner. Cela se voit en Tchécoslovaquie. Il y a mention de la Tchécoslovaquie. Il faut dire que c'est un événement, le coup de Prague, qui, je crois, a été décisif pour donner une nouvelle inflexion à la politique américaine, bien que les prémices ont été posées auparavant. Mais après coup, ils ont, c'est le cas de le dire, ils se sont soudain aperçus qu'il y avait vraiment un bloc fermé et pour ainsi dire une négociation impossible. Or, à Prague, il semble bien que ce coup ait été plutôt improvisé à la faveur de circonstances locales, c'est impossible ici d'entrer dans les détails, et que
le coup n'a pas été décidé, disons, par Moscou. Et donc, en effet, il faut toujours tenir compte de ce que le Kremlin a tiré bénéfice des partis locaux et que les partis locaux eux-mêmes n'étaient pas des champignons poussés sur la société, mais que, en fait, c'était des formations qui étaient ancrées dans... du moins, plus ou moins, mais qui était ancré dans la classe ouvrière, dans bien des cas, et notamment en France. La France étant, je dis d'un mot encore, la France étant justement un des pays où le Parti communiste obéit le plus directement au Kremlin. N'oubliez, signalons-le. Oui. Eh bien, pour terminer, on va voir, si vous voulez, les actualités d'Allemagne, je ne dis pas de l'Est, puisque l'Allemagne de l'Est n'existe pas encore, mais de la zone soviétique, qui nous montre de l'URSS un visage assez différent de celui que les soviétiques montrent eux-mêmes. Immer noch ist Krieg in der Welt. In China, in Griechenland, in Palästina. Es wird geschossen, es sterben Menschen, es marschieren und morden Söldner und Landsknechte, weil profitsüchtige Konzerne um ihre Dividenden zittern. Immer noch ist Unruhe in der Welt. In Malaya, auf Java, in Indonesien, in Südkorea, in Südamerika. Auch die ehemaligen Kolonialvölker streifen ihre Ketten ab. Sie kämpfen um ihre nationale Souveränität, um das Recht, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Ebenso wie die Südamerikaner, die nicht länger zusehen wollen, wie in ihren Ländern nur der Dollar regiert. Die alten Machthaber wehren sich, unterstützt durch Knüppel und Kanonen. Aber das schaffende Volk der Welt besinnt sich auf seine Kraft. Streiks in Frankreich, in Italien, in England, in Westdeutschland, in den USA. Warum? Weil die Arbeiter nicht länger Ausbeutungsobjekt sein wollen. Weil sie nicht wollen, dass der alte Kreislauf Krieg, Krisen, Elend, Krieg wieder beginnt. Weil sie wissen, wie stark ihre Macht ist, wenn sie geeint auf ihrem Recht bestehen. Die Werktätigen der Welt wollen keinen neuen Krieg. Sie sind stark genug, die Kriegshetzer in Schach zu halten. Sie demonstrieren in Paris, Sofia, Berlin, Rom, Florenz, London, Prag und Breslau, dem jetzigen Wroclaw. Immer noch wird gerüstet in der Welt, denn die Kriegshetzer haben ihr Spiel noch nicht aufgegeben. Es wächst die Kette der Flugstützpunkte von Malta und Gibraltar bis nach Alaska. Es entstehen immer neue Bombengeschwader. Man droht mit Atombomben. Man ruft zum Krieg. Im Sechstel der Erde regieren seit 31 Jahren Arbeiter und Bauern. Ihre Erfolge beweisen, welcher Gesellschaftsordnung die Zukunft gehört. Eine Ordnung, die den Frieden garantiert. Unermesslich weit ist das Gebiet der Sowjetunion und unermesslich groß war die Arbeit, die vor 31 Jahren nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution ihren Anfang nahm. Die Bodenschätze wurden erforscht und nutzbar gemacht. Erhielten ihr Land. Die Bodenbearbeitung wurde modernisiert. Das Prinzip der kollektiven Bewirtschaftung erfolgreich durchgeführt. Überall wandelte sich das Gesicht der Städte. Schritt für Schritt wurde geplant. Jeder erfüllte Fünfjahresplan steigerte die Industriekapazität der Sowjetunion. Dieses Land hat unermüdlich gearbeitet, bis der faschistische Überfall den Aufbau unterbrach. Und dieses Land arbeitet jetzt ebenso unermüdlich, um die Wunden des Krieges zu schließen, um weiterzugehen auf dem Wege, den Lenin und Stalin führten. Am Jahres
Jahrestag der großen sozialistischen Oktoberrevolution richten sich die Augen der Welt auf Moskau. Die einen mit Hass, die anderen mit Liebe. Hier ist der Beweis erbracht, dass in einem Sechstel der Erde das erfüllt wird, was die Menschen als ihr Lebensrecht fordern. Die Verwirklichung des Sozialismus. Eine Hoffnung für die übrige Welt. Jahre Arbeit und Kampf. 31 Jahre Erfolge durch den schaffenden Menschen für den schaffenden Menschen. Claude Lefort, vos réactions devant cette commémoration à l'Allemande, Allemande de l'Est, bien sûr. Eh bien, ce qui me frappe, c'est que l'on ne parle pas, l'on ne montre pas la puissance soviétique et les troupes soviétiques, et que de tout cela ressort le désir de la paix. Alors, il y a bien pourtant une politique étrangère soviétique et une politique expansionniste. Je crois qu'on ne peut pas dissocier l'analyse de la politique extérieure de l'Union soviétique de l'analyse de la nature du régime. Et je l'ai dit très très brièvement, c'est un régime auquel est consubstantielle l'idée de l'ennemi de l'intérieur, l'idée d'une domination entière de la vie sociale, et quelque chose de plus, l'exigence d'une identification des citoyens au peuple soviétique, des communistes à la direction du parti. Et d'un autre côté, si on voit leur politique étrangère, on s'aperçoit que cet État ne peut pas se penser comme un État parmi d'autres, quitte à ce qu'il veuille, comme d'autres, étendre sa puissance, défendre ses intérêts. Mais il ne peut pas se penser comme un État parmi d'autres, et il ne peut pas penser la légitimité, disons, de régime d'une nature différente. Il a une affirmation de soi absolue, au point que, comme nous le savons, quand Gorbatchev fera une ouverture à l'Ouest, quand soudain il, mettra fin à la compétition militaire, eh bien il perdra un atout majeur et il précipitera l'armée du régime. Merci Claude Lefort pour votre analyse du passé au présent. La semaine prochaine, nous quitterons le monde occidental et l'URSS aussi pour voir un petit peu la situation du Japon à la fin de 1948. 4 années après la bombe atomique. Merci.